dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil. Tandis que Gérald raconte toute la vérité à la police, Hugues menace Julien. Pendant ce temps, Hakim rejette Louise. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 17 juillet dans Ainsi Grand Soleil. Gérald raconte toute la vérité à la police dans la matinée, Gérald révèle à la veuve d'Oleg les véritables circonstances de la mort de son mari. Quand cette dernière lui demande de dire la vérité à la police, Gérald refuse d'abord de peur de ne plus jamais retrouver de travail. Alors qu'il change finalement d'avis et se dirige vers le commissariat, son fils le retient, soulignant que Portel connaît des gens dangereux qui pourraient menacer leur vie. Même si Dylan a peur, Gérald n'entend pas être complice dans cette affaire et arrive au poste pour livrer son témoignage. Avec ses nouveaux éléments en sa possession, Becker espère prouver la culpabilité de Portel dans la mort du contremaître et prévient le procureur de cette avancée dans l'enquête. Comme le témoignage de Gérald change la donne, le procureur décide d'employer tous les moyens nécessaires pour coincer Portel. De son côté, Dylan informe Elliot que son père a parlé à la police et sollicite son aide car il craint que sa vie soit désormais en danger. Malheureusement, Elliot ne peut rien faire pour lui. Hugues menace Julien tandis qu'Elisabeth est contrariée que sa petite fille la rejette ainsi, Hugues se dit prêt à s'effacer pour que sa compagne puisse renouer avec sa famille. Seulement, la femme d'affaires exclut de sacrifier son histoire d'amour et se rend à elle cosmétique pour clarifier les choses avec son fils. Lorsque Julien fait part de son inquiétude quant aux véritables intentions du gars à son égard, Elisabeth estime que son fils pense uniquement à son héritage. Déçue par le comportement de sa progéniture, elle quitte les locaux et appelle Hugues pour lui raconter les détails de sa conversation. Même s'il est certain que sa famille finira par l'accepter avec le temps, Elisabeth n'y croit pas et ajoute qu'elle a enfin ouvert les yeux. En fin de journée, Hugues rejoint Julien et rapporte qu'Elisabeth est malheureuse depuis leur dispute. Hugues voudrait trouver une solution pour le bien-être de tous mais Julien, qui voit clair dans son jeu, le somme de partir au risque de lui mettre son poing dans la figure. Mais Hugues lui déconseille et le menace de faire bien pire s'il continue de faire souffrir la femme qu'il aime. Hakim repousse Louise et après avoir reçu quelques messages insistants de Louise, Hakim finit par lui donner rendez-vous dans la journée. Ils se rejoignent alors sur le toit d'un immeuble où Hakim reconnaît qu'il la trouve très jolie. Tandis que Louise cherche à savoir pourquoi il a mis tant de temps à l'inviter pour boire un verre, le frère de Bilal explique que c'est compliqué tout en indiquant être malgré tout célibataire. Au moment où Louise l'embrasse et souhaite aller plus loin, Hakim la repousse, précisant qu'il n'aurait jamais dû accepter ce rendez-vous. The man I love just has